Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube. On dit Tudo et tu dis YouTube ou pas? Non. Non, hein. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Camille et Cédric en VE. Alors, une fois n'est pas coutume aujourd'hui, c'est moi qui présente. Pourquoi je présente? Parce qu'on a, on a décidé de faire un petit sujet un peu particulier sur une petite mésaventure qui nous est arrivée avec Shelby. En l'occurrence, un petit accrochage entre notre portail et la voiture. Non mais je précise la date, je vais même apporter plusieurs petites précisions parce que je sens venir certains déjà en disant quoi? Tu as mal manœuvré et tu as abîmé la voiture avec le portail? Alors absolument pas, absolument pas. Et Cédric non plus parce qu'en fait nous étions absents pour la soirée du réveillon, donc le 31 décembre. Et nos enfants étaient restés à la maison, nous ont appelé le 1er janvier au matin, bonne année. Voilà, bonne année, le portail est tombé sur la voiture. Le portail est tombé sur la voiture. On a mis quelques secondes à réaliser que c'était pas une blague. Voir comment était-ce possible? Eh ben si, c'est possible, effectivement. Donc, pour rappel, on a déménagé il y a quelques mois dans une maison, oui, voilà, bah, qui n'est clairement pas neuve. Et le portail, comment dire, sans être... Monté, hein. Voilà, était pas bien monté, était pas bien fixé. Quoi qu'il en soit, il est tombé sur la voiture. Alors, Cédric va vous mettre en incrustation des photos qu'on a prises, enfin, que les enfants nous ont envoyées, du coup, puisqu'on n'était pas sur place. C'était pour expliquer comment on a résolu le problème. Déjà, tu peux parler des dégâts, hein, capot. Alors, les dégâts, on a des rayures assez profondes sur le capot. Ensuite, il y a l'arête de l'aile. Elle qui est un peu enfoncée, et des rayures également sur les optiques, que d'un côté, mais optique quand même. Avec la peinture a sauté aussi un peu sur l'aile, à l'endroit de l'impact avec le montant du portail. Voilà. Donc la première question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on peut faire jouer les assurances, et quelles assurances? Assurance maison ou assurance voiture? Exactement, première question. On a commencé parce que moi je pensais que c'était l'assurance habitation qui allait prendre le relais, puisque finalement un incident... C'est la maison qui a abîmé. Non, c'est bah oui, enfin, c'est ben un élément de la maison qui a abîmé la voiture. Et j'ai appris, alors effectivement, j'avais quand même posé la question avant de me lancer un peu sur le Facebook du Tesla Owner pour voir si c'était déjà arrivé à d'autres, enfin, en tout cas, quelque chose de similaire. Et effectivement, il y a des gens qui m'avaient plutôt bien répondu en m'indiquant que le fait est que dans les assurances, on ne peut pas se faire de tort à soi-même, en tout cas, au niveau de l'assurance habitation. Sous-entendu, non, l'assurance habitation ne va pas prendre les dégâts sur la voiture. Elle pourra prendre les dégâts sur le portail, mais pas sur la voiture. Du coup, j'ai quand même appelé mon assurance habitation pour valider la théorie, qui était la bonne théorie. On ne peut pas se faire de tort à soi-même. Et donc, l'assurance habitation m'a proposé, par contre, une expertise du portail voilà, pour les dégâts qui sont sur le portail. Au final, on va être indemnisé. Voilà, oui, on va être indemnisé pour les dégâts occasionnés au portail, voilà, avec une, comment on appelle ça, une expertise en visio. Oui, ça, c'est nouveau maintenant. Les experts, ils se déplacent plus. On fait une visio et on leur montre le portail. Ben, c'est vachement bien. Tu déconnes, oui, ou quoi? Pas de délai, pas de machin. En quelques jours, une fois que j'ai ouvert, donc nous, on est à la MAF. On a été honnête en disant que, en l'occurrence, nous, on n'avait pas vu de tiers identifiés. Donc, et donc, final, c'est comme ça. Très bien. Assurance, dossier assurance. Quelques jours plus tard, l'expert programme une expertise en visio. Donc, c'est ça, hein, tout simplement. Avec le téléphone, il m'appelle en visio. Il me demande de lui montrer si ça ou là. C'est exactement ce qu'on a fait. Mais donc, en ne s'intéressant absolument pas aux dégâts sur la voiture, ça ne les concerne pas. Par contre, donc, assurance maison, indemniser le portail. Ouais. Donc, on a de quoi refaire le portail. Exactement. Pour la voiture. Ça, l'assurance de la Tesla, assurance de la voiture. Donc, pour rappel, on est assuré chez qui? Alors voilà, ben pour rappel, donc on est assuré chez Drivelec, donc c'est une, on va dire une filiale, ou même pas une filiale d'ailleurs, de chez Allianz, spécialisée pour les voitures électriques
et les Tesla en particulier. Donc, chez Alliance, idem, hein, du coup, c'est à eux que je présente aussi un dossier que j'ouvre en ligne dès début janvier, hein, dès les premiers jours, juste après l'incident. On avait pris des photos, hein, évidemment, hein, parce que bon, la voiture, comme elle roule, on s'en est servi quand même entre-temps. Donc, on avait pris des photos, bien montré dans quel état c'était avant de toucher à quoi que ce soit. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'assureur m'appelle en me disant, ben voilà, il va falloir faire passer aussi un expert pour les dégâts sur la voiture. Moi, la première question que je me posais, en fait, j'avais peur d'avoir du malus. Parce que finalement, c'est sans... Alors, franchise, j'étais pas inquiète puisqu'on a un contrat sans franchise. Donc, je savais que la franchise, c'était pas un problème. Ce que je voulais pas, c'est avoir du malus, quoi, et être embêtée. Alors que, voilà, je me suis dit, est-ce que il fallait faire vraiment une balance entre pour combien on va en avoir et est-ce que ça vaut le coup de faire jouer l'assurance, même si je n'ai pas de franchise, pour ne pas être embêtée après et pas avoir mon contrat, les cotisations de mon contrat exploser, quoi, pour une cochonnerie du genre, quoi. Alors que. Donc, on n'a pas commencé par appeler l'assureur. C'est pas ça qu'on a fait. J'ai commencé par aller voir Deep Color, donc le détailleur qui... Le détailleur, on dit pas ça. Comment on dit? Oui, le détailleur. L'entreprise qui fait du détailing et qui a posé la céramique sur Shelby. Voilà, comme je sais qu'il est très bon conseil. Et qui travaille, en fait, en face, il a un carrossier. Donc, du coup, j'ai pris rendez-vous avec eux pour leur montrer la voiture et que eux me donnent leur avis. En disant, bon, ben voilà, pour avoir un premier, on va dire, une première estimation des frais qu'on pourrait avoir pour la remettre en beauté. On a tablé sur à peu près, on va dire, une enveloppe d'un peu de moins de 1000 euros entre le débosselage du coup de l'aile, la remise en peinture et le... Comment dire? Il va falloir repasser du polish sur le capot puis repasser la céramique en fait sur l'ensemble. Je me suis dit, bon, moins de 1000 euros quand même. Enfin, moins de 1000 euros, oui, mais quand même une enveloppe proche de 1000 euros. Donc, on va quand même peut-être essayer de faire jouer l'assurance. Donc là, j'ai déposé mon dossier quelques jours plus tard auprès de l'assurance. Pareil, attention, on va mandater un expert, très bien. Et là, l'expert me contacte en me disant « Est-ce que vous voulez qu'on fasse un dossier où c'est vous qui prenez les photos ?» Finalement, vous faites un truc en ligne, quoi. Une expertise en ligne. Ça évite d'avoir à immobiliser le véhicule chez le carrossier pendant la journée avec le risque qu'il puisse pas se libérer, l'expert, enfin, et compagnie. Bon, ben, j'ai trouvé ça super. Je me dis, bah, oui, très bien, vu les dégâts. Pas de problème, on va faire ça. Donc, effectivement, on a reçu un... Je sais même pas par quel biais, hein, c'était par le biais d'un mail, un lien, hein, un lien par mail. Et donc, on a suivi la procédure à la lettre. Il fallait la carte grise, voilà, scanner la carte grise de la voiture avec le téléphone, hein, venir vérifier le code, le kilométrage, le VIN de la voiture, pareil, bah, qui apparaît à l'écran, tout ça, le prendre en photo. En fait, on suit... étape par étape, ce qui est demandé avec le lien, c'est très bien fichu, on s'en sort très bien, il y a des photos à 1 mètre, à 50 cm des dégâts, etc. Bon bref, on fait tout ça, l'expert met un certain nombre de jours à établir son expertise, bon c'était pas très long non plus, hein. Et entre temps nous on avait reçu des devis écrits pour les réparations de la voiture. À la fin de notre dossier vidéo, on avait la possibilité d'inclure les devis pour les réparations. Donc, comme on les avait déjà, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. On a mis les devis. Voilà. Bon, ben voilà. Là, c'était fait. On a attendu, je pense, pas très longtemps, hein, moins d'une semaine. J'ai reçu un lien de l'expert qui disait, bah, vous pouvez aller voir, votre dossier a changé de statut. Et c'est bon, vous pouvez valider, vous allez pouvoir valider votre dossier en ligne et aller faire vos réparations. Je vais sur le dossier en ligne. Je ne vois pas l'expertise, hein, puisque elle n'y était pas. Mais par contre, je vois bien, quand j'ouvre, ça me met, vous pouvez prendre rendez-vous, votre expert a fait son travail, vous pouvez prendre rendez-vous, prenez rendez-vous maintenant. Et je cherche l'expertise. J'attendais, moi, le montant, en fait, pour être sûr que ça colle bien avec ce qu'avait proposé le carrossier. Je ne vois pas ce truc. Bon, j'écris. Heureusement, on a les coordonnées de l'expert, tout ça, dans ce dossier, tout ça, machin. Je lui envoie un mail, hein, en lui disant, bah, est-ce que vous pourriez me passer votre expertise écrite, enfin, le détail. Voilà,
pour que je puisse... Nous n'y sommes pas obligés, vous êtes en franchise, vous êtes sans franchise. On n'est pas obligé de... Je dis non, non, mais enfin, il n'y a pas de mal, mais c'est juste pour voir, quoi. Il me dit, bon, moi, je vais vous le mettre. Et puis là, je vois qu'effectivement, bah, à peu près 200 ou 300 euros de décalage entre ce que l'expert avait expertisé et le devis du carrossier. Je me suis dit, ça va merder. 300 euros de décalage en notre défaveur. Hein. Oh, bah évidemment, sinon on n'en parlerait pas. 300 euros de moins de ce qui était prévu sur le devis. Oui, et comme vous avez compris que c'était des montants à moins de 1000 euros, ça reste un peu important, quoi, du coup. Du coup, je contacte le carrossier dans un premier temps en lui disant « Bon, vous avez... » Il me dit « Oui, non, mais là, c'est pas acceptable. Il a fait n'importe quoi. Il m'a réduit la moitié des heures. Il y a quand même du boulot, de peinture, de machin, de trucs. » Je dis « Oui, non, mais je comprends très bien. » Je dis « Bon, mais écoutez, je vais lui envoyer un petit mail. » Le carrossier me dit « Oui, mais je fais pareil de mon côté. » En lui disant « Bon, moi, je crois qu'on ne s'est pas bien compris, là. Vous avez... Ça va pas. » Voilà. Bon, j'envoie mon petit mail, le carrossier envoie son petit mail, on attend une semaine, deux semaines, trois semaines, non, en fait, on a attendu un mois et demi. Un mois et demi, sans retour, où du coup, je savais plus trop quoi faire, quoi. Normalement, il y a vraiment une boîte sécurisée, quoi, avec l'expert, mais ça répondait pas. Et puis bon, ben là, j'ai eu quelques jours dernièrement de vacances, hein. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais l'appeler là, ça suffit, maintenant, ça va, ça fait un mois et demi, parce que là, donc, ça date de début janvier. Aujourd'hui, là, on est le 26, le 27 février. Oui, mais enfin, t'as eu la réponse... La semaine dernière. J'ai eu la réponse la semaine dernière. Donc, mi-février, quand même. Et donc, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Et donc, qu'est-ce qu'il m'a dit, l'expert ? Il m'a dit, ah, pardon, j'avais pas vu vos mails, tout ça. Je vais contacter le carrossier, on va trouver une solution. Bon, déjà j'étais contente, mais je me suis dit, il fait le mort à mes mails, tu vas voir que lui, il a fait son boulot et puis revenir dessus, quoi. Non, pas du tout, en fait, tu vas te déborder, t'es passé à autre chose, et surtout, il avait pas lu ses mails. Bref, dans les 5 minutes qui ont suivi, il m'a rappelé en disant, j'ai eu le carrossier. Effectivement, il y a des choses que je n'avais pas pu voir sur les photos qu'il m'a précisé, etc. Je comprends, du coup, les temps qu'il avait mis et donc le montant global. Je rectifie mon expertise, vous allez pouvoir prendre votre rendez-vous. Du coup, petit doute quand même, derrière je rappelle le carrossier qui me dit « Oui, c'est bon, vous inquiétez pas, on s'est arrangé, il va refaire le truc propre et tout. » C'est le cas, quelques heures plus tard sur mon dossier, il y avait une nouvelle expertise avec le nouveau montant qui collait avec ce qu'avait demandé le carrossier. Tout va bien, j'ai pu prendre rendez-vous. Shelby va être réparée comme neuve, comme un petit bijou, à partir du début du mois prochain. Voilà. Parce que là, il faut que le carrossier... Alors, le carrossier a besoin d'une semaine. Ouais. Ah ouais. Le carrossier a besoin d'une semaine. Le carrossier plus détailing. Plus tard. Ah, il faut que la peinture sèche. Donc, une semaine carrossier, il faudra la ramener... Il faudra la ramener pour la céramique. D'accord. Parce que la céramique, en fait, on ne pose pas de céramique sur une peinture qui n'est pas complètement sèche. Ça se prend deux temps. Ça se prend deux temps. Une céramique. Ah, ça... Oui, oui. C'est à cause de ça, bien sûr, oui. On va policher, démonter l'aile, repeindre. Ça va être fait en une seule fois, il n'y a pas de souci. Par contre, il faut attendre 15 jours que la peinture ait bien séché avant de refaire la céramique. Bon, bah tout est bien qui finit bien. Eh ben, on espère bien. On espère bien. Et par contre, tu as pensé à commander mon insigne qu'il faut changer. Oui, parce que ça a rayé l'insigne rouge, de logo rouge Tesla. Donc, mais ça, on va voir avec nos amis de Green Drive. Mais oui, je vais recommander l'insigne qui va faire. Hein. Bon, ça va alors. Bon, du coup, je vais venir faire la conclusion de la vidéo. Ah. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, de commenter. Commenter, c'est bien. Et de s'abonner. Oui, si vous avez eu des expériences similaires avec vos assurances, n'hésitez pas à les partager. Et nous, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Salut.